Jour confiné numéro 43. Allez, un petit coup de poésie. Aïcha était muette, ainsi en décida le patriarche. Muette, ce sera son destin. Des yeux ouverts sur un cirque de fureur, des mains retenues sous la robe. Et la nuit était son territoire, le lieu de ses passions, l'espace de sa folie. Muette et efficace. Elle sera le pilier de la grande maison, le petit palais que le patriarche construisit sur la rive droite du fleuve, un fleuve qui draine les égouts. Aïcha était une paysanne, son père l'allouait au patriarche. Elle avait 12 ans quand elle fut engagée pour faire le ménage. Non, pour apprendre à faire le ménage. Sa vie, un destin craché dans un seau d'eau sale. Elle avait des poux sur la tête et sentait la terre sèche. Ses yeux noirs, très noirs, des yeux traversés de lumière. Un regard perdu, affolée, qui ne sait plus où se poser. Elle avait peur de faire mal aux objets. Son regard les fuyait. Aïcha ne s'était jamais vue dans un miroir. Elle fut lavée. On brûla ses habits de paysanne pauvre. On l'habilla, pas de neuf, mais de robes d'une des filles du patriarche. Aïcha venait d'avoir ses premières règles. Elle eut peur. Elle ne parlait pas. Elle ne pouvait pas répondre, elle ne voulait pas répondre. Elle restait figée des heures devant la maîtresse qui oubliait de lui donner du travail. On oubliait aussi de lui donner à manger. Aïcha n'existait pas. Les autres bonnes l'ignoraient. Elle lavera les carreaux, petite et légère, comme une abeille. Elle volera d'une fenêtre à une porte. Elle enlèvera la poussière. Elle s'éloignera du bruit du matin. La femme du patriarche crie pour parler. Elle lance des ordres à la petite armée de domestiques. Aïcha s'endormait tard et ne se levait jamais à l'heure. C'était sa consolation. Être oubliée, c'est aussi pouvoir disposer du temps. La nuit, elle partait, elle s'envolait. C'était une hirondelle de toutes les saisons. Elle partait dans le bois, se faisait du feu et dansait. Elle mimait sa vie devant l'arbre. Des fois, elle s'endormait près de l'arbre. Face au feu, elle jurait fidélité à son petit univers. Quelques pas de danse, un rire dans la nuit, un clin d'œil aux étoiles les plus proches. D'ailleurs, elle croyait qu'on pouvait les toucher, les cueillir, comme les fruits du jardin. C'était son innocence. Une fille née de la terre et de la pierre, un jour sans pluie, un soleil sans tendresse. Fille du silence, elle retrouvait le bois, son miroir. Née du silence et de sa grande violence, Aïcha avait besoin de retrouver la terre, l'herbe et la nuit. Elle aussi tournait le dos au temps. Elle ne savait pas compter. Une saison succède à un orage. Une tempête annonce la parole du ciel. Elle aurait aimé rester plus longtemps dans le bois. Son corps avait froid. Tahar Benjelloun, un extrait de Moa le fou, Moa le sage.